Oui, c'est un placement de produit dès le début. Oui, c'est que vous voulez me tuer. Oui, c'est que vous voulez vous s'arracher les cheveux. Vous voulez brûler mon chapeau. Mais écoutez, c'est rapide. C'est rapide, écoutez. Je vous parle de Phoebe by Wisby. Alors, en gros, c'est un simulateur d'aide étudiant. Parce qu'en tant qu'étudiant, on rate beaucoup d'aide financière. Et Phoebe va te permettre de savoir toutes les aides financières auxquelles tu as accès. Donc, en tant qu'étudiant, c'est magnifique. En plus, il y a un simulateur d'emprunt. Et en gros, par exemple, imaginons que tu veux, par exemple, financer des études dans une école qui coûte cher, par exemple. Bah, Phoebe va te dire si ton dossier, il est bon ou pas. Et en plus, il va t'aider à t'améliorer ton dossier. Donc, franchement, c'est magique, ça. Donc, je vous laisse le lien ici. Cliquez, allez regarder. C'est important. Oui, c'est un placement de produit dès le début. Oui, c'est que vous voulez me tuer. Oui, c'est que vous voulez vous arracher les cheveux. Vous voulez brûler mon chapeau. Mais écoutez, c'est rapide. C'est rapide, écoutez. Je vais vous parler de Phoebe by Wisby. Alors, en gros, c'est un simulateur d'aide étudiant. Parce qu'en tant qu'étudiant, on rate beaucoup d'aide financière. Et Phoebe va te permettre de savoir toutes les aides financières auxquelles tu as accès. Donc, en tant qu'étudiant, c'est magnifique. En plus, il y a un simulateur d'emprunt. Et en gros, par exemple, imaginons que tu veux, par exemple, financer des études dans une école qui coûte cher, par exemple. Bah, Phoebe va te dire si ton dossier, il est bon ou pas. Et en plus, il va t'aider à t'améliorer ton dossier. Donc, franchement, c'est magique, ça. Donc, je vous laisse le lien ici. Cliquez, allez regarder. C'est important. Bonjour à toutes et à tous. Ici les Toukais, ici les Moines de là. Poli, bonjour Mangourou. On est encore à Paris Games Week. Encore, oui. Et pour faire quoi avec vous? On parle de choses, de Balenciaga, Balenciaga. Des choses, on parle des choses. On parle des choses, c'est parti, Paris Games Week. Ta gueule, c'est parti. Salut la mif, ça va ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes des abonnés? Ouais. C'est bien. Et toi alors? Moi je connais pas la chaîne. Ah ok. Maintenant je vais connaître. Maintenant tu vas connaître, hein. Maintenant il faut tout regarder maintenant. Yes. Tout regarder. Salut mon gars, comment on va? Oh ça va. Là on porte des team Balenciaga là. Ouais. Balenciaga, Siaga, Balen, Balenciaga. Bon, est-ce que tu es un abonné fidèle? Ouais, je regarde souvent les vidéos. Est-ce que tu as des pouces bleus? Ouais, c'est vrai ça? Ouais, souvent. Mais fais gaffe, hein, parce que moi je surveille. Hein. Ouais, t'es un menteur, hein? Il a mis toi, hein? Il ment pas. Le modèle de tes pairs et les prix. Bon, c'est TN, mais on aimerait savoir, tu as les prix, tout ça, où tu as acheté. Des VaporMax TN. Ouais. À 210€, je crois. Ouais. Ben vas-y, j'ai attendu avant de les avoir, j'ai charbonné en cours et tout pour les avoir. T'as genre bossé bien, t'as eu des 20 sur 20 pour qu'on te paye Ouais, 17, 18. Ça va, ça c'est bien, t'es un mec sérieux. Ça va, ça va. Et mon gars, j'aimerais savoir, c'est quoi la prochaine paire que tu aimerais avoir là? La prochaine. On a eu quoi? En vrai, des ASICS. Des ASICS gel contume, un truc comme ça. Ok, d'accord, ok. Moi j'aime pas trop, mais bon. Pas okay, bah, pour traîner tranquille comme ça. Prix et la marque de vos pairs? Moi c'est une Oswego, Adidas Oswego. Yes. Et elle coûte 120€ Adidas. D'accord. Et toi? Et moi c'est des 97, je crois. Nike 97. 97 et je les ai payés 135 à Foot Locker. 9 du coup? Non, enfin oui du coup, ouais. 9 mais c'est en solde. Encore ça, donc ça marche. Du coup, prochainement, quelle paire vous aimeriez vous prendre? Moi? Ouais. Franchement, les triple S, les Balenciaga triple S. Balenciaga? Ouais, mais ça, il faut quand même avoir de la thune quand même. Hein. Ouais, mais c'est cher. C'est cher, c'est pour ça. C'est vraiment cher. C'est pour ça, c'est cher. Et toi, du coup? Moi, je prendrais les dernières Nike React Element. Quel est le prix? 180, 200 je crois. Enfin la paire de mes rêves. Genre celle que ouais, je voulais. Ouais, c'est ça. C'est où tu mettrais vraiment un putain de budget dedans. Les triple S aussi. Hein. Triple S? Ouais. Elles sont magnifiques. Ah ouais, quand même, elles sont magnifiques. J'ai vu en fait quand je t'ai vu arriver, j'ai fait ce plaisir. Oubliez les mêmes bords, j'ai des tristes. Du coup, on va savoir du coup le prix et où tu les as achetés du coup. C'est ça que mon pote il les a payés 350€ et c'était un cadeau d'anniversaire. Donc je sais pas comment il les a achetés ou sur quel site. Ça marche. Elles sont bien usées un petit peu. Ouais, elles ont du vécu un peu. Vécu, ouais. Bah, surtout là, quand on m'a marché sur les pieds et tout, mais. Ah, c'est chier ça, hein. Ouais, c'est. Il faut être à Paris Games Week, mon gars. Ouais, j'avoue, c'était con, mais j'ai versé une petite larme quand même tout à l'heure un peu. Mais ouais, je l'ai nettoyée, je vais avoir être propre, toute blanche. De la, moi? Ouais. Mais je suis sûr? Yep. J'avoue, moi, j'ai payé 95. Hein. Quoi? 95€. Ok. Quel est le modèle? Comment? Le modèle? Le modèle, c'est des zooms normales. Normal, simple, basique. Simple, basique. Vas-y. Ça marche. Je vais pas casser la tête. Bah, franchement, t'as raison. Et toi, du coup? Moi, c'est des 270. Je les ai achetés 150 en réduc. Ok, ça marche. Okay. Et toi, Mister? Et moi, Hermès 95 montante, 200€. Okay. Et du coup, quelle paire vous aimeriez prendre prochainement? La paire? Prochainement? Ouais. J'avoue, moi, je vais réfléchir sur des Air Force. Hein. Air Force, ouais, okay. Des nouvelles Air Force. Mais stylées. Pas que les blanches, normal. Et toujours simple. Custom. Enfin, ok, d'accord, plus de simple basique alors pour toi. Plus de simple basique, que de custom. Ça va, custom. Et toi? Moi, je vais acheter des ASICS. ASICS? Ouais. Prix? Je sais pas, je crois que j'en ai trouvé une à 55 balles. Et toi? Et moi, une Yeezy, je pense. Yeezy? Yeezy, ouais. Yeezy Butter. Une Yeezy Butter. Prix? Environ?
400 euros. 400 balles, ouais, je pense. Tu veux investir quoi? Ouais. Oh, ça marche. Tu portes des Yeezy Zebra. Ouais. Mais où tu les as achetés? Et à combien? Il est en cours. Hein? Il est en cours. À combien? Il a plus. Aussi, moment. J'ai plus. Ah. Il est honnête, il est honnête. Il est honnête, okay. Il est honnête. D'accord, ok, bah ok. Mais tu as une tête à porter du vrai. Ah ouais? Ouais. Dommage, hein. Et c'est quoi du coup les prochaines paires que tu aimerais acheter? Mais en vrai, pas des fakes hein. Yama. Les paires que tu aimerais acheter. Pas encore hein. Pas des Balenciaga un petit peu là? Si, elles sont belles les tiennes là. Ah, t'as Balenciaga, Siaga, Balen. Ah, elles sont bien. Si tu veux, dire que je te les vends si tu veux. Combien? 595, je te les vends. C'est le prix que je l'achète. Ouais, mais ça va. Bah non. Yama sueur, ça vaut cher. Ça sert à rien. Et où tu les as achetés en gros? Ouais. Alors moi, c'est Basics, c'est des blazers à l'ancienne. Ouais. Elles sont ressorties là. Je les ai achetées aux Galeries Lafayette, ouais. À Ousmane Salazar. Et j'ai payé ça à 100 euros. Et toi, du coup, ça va? Clairement. Moi, pas moi, c'est des TN. Ouais, voilà. Ça bien. Ouais. Bah, oui. Baleine. Ouais, du coup, moi, je les ai achetés à Metz. À Metz, okay. À Metz. Et voilà. Ouais. Ah, de loin, hein. De loin. Voilà. Et du coup, c'est quoi par exemple les prochaines paires que vous voulez acheter les prochaines? Moi, franchement, il me faut des Yeezy 700 là. Obligé. Je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. Les grises, ouais. Ouais, il me les faut là, j'économise un peu. Ok. Et vas-y, on va essayer, hein. On va taffer pour. Hein. En tout cas, bon courage en tout cas pour la thune. Bon, merci. Pas de chance, hein, bah ouais. Ouais. Bah, si t'as quelques billets à donner, frère. Ah, mon gars, nous on prend de l'argent des abonnés, tu vois. Ouais, ça. Attention, aux abonnés, je mentis. Et toi, du coup, prochaine paire que tu vas acheter? Moi, basique, ça fait longtemps que je pense. Les Converse montant de noir. Tout simple. Tout basique. Ça va tranquille là. Du coup apparemment tu es un youtubeur, c'est ça? Oui, je suis un youtubeur. Et c'est quoi ta chaîne? Parce que... C'est Black Crook, BlackCrook. Et qu'est-ce que tu fais comme Je fais de tout, mais les vidéos les plus connues c'est avec ma daronne, je fais des pranks, tout ça. Prank, tout ça. Okay. Ouais. Du coup, est-ce que tu le connais nous ou pas? Ouais bien sûr, depuis très longtemps. Après, ouais. Ça, okay. Alors du coup bah la question c'est quoi la marque et le prix de tes shoes? Oh non. Conçu, semelle de sphinx, ah, peau de crocodile, lacet fait à la main par un singe aveugle. Wow. Semelle, équilibre x2, pantalon puissance éclair, Son Goku portait le même. 250€ Naked Wolf. Le modèle des paires, et où tu les as achetés, à combien? Ça c'est les 270, je les avais en noir, et là je les ai pris, je sais plus c'est quel modèle, mais voilà, j'ai pris ceux-là, là. Ouais, elles sont belles, elles sont bien. Ouais, c'est des 270. Après, c'est quoi? Je dois présenter le bas? Non, c'est bon. Après, du coup, c'est quoi, par exemple, les prochaines paires que tu aimerais avoir dans la ville? Ah, je sais pas. Balenciaga, Off-White, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Ouais, c'est bien, mais en fait, c'est que de la marque, tu vois, c'est pas parce que c'est cher que je vais acheter, c'est y en a, c'est... Tu aimes la marque, hein? Ouais, mais y en a, c'est vraiment moche, tu peux pas porter, tu vois. Donc, par exemple, les triple S, t'aimes pas, par exemple, triple S... C'est par exemple, tu vois, les grosses chaussures Balenciaga comme ça, je peux pas, tu vois. T'aimes pas, ok. Ouais, je peux pas. Ok, je vois le truc, Mais genre, les Gucci, j'ai les Gucci, tu vois, les Gucci fines avec l'abeille, là, ouais. En blanc et vert. Les trucs blancs basiques, là. Les voilà, blancs, ça, ouais. Là, sont, tu vois, avec un jean, ça passe bien, tu vois. Okay. Et puis voilà. Vas-y, mon gars, merci à toi, frérot. Hein. Vas-y, merci. Bon, ça tourne, vas-y à toi. Allez tous vous abonner à ma chaîne, moi, DistXV. Elle sera en description. Moi je vois pas, moi je vois pas les mecs. Vas-y mon gars, du coup, ouais. Dis-moi du coup le prix de tes Balenciaga Track et où tu les as achetés. Alors, ceux-là je les ai achetés au Kuwait. Ouais. Je sais pas, 250 dinars kuwaitiens, équivalent ici à 700€, un truc comme ça. Ok, ah, en ouais. Dinars, en dinars. Hein. Ouais. Dinars kuwaitiens. Ok. C'est pas là même, c'est x3. C'est x3. Ouais. Okay, okay. Et du coup, c'est quoi, on va dire, que les paires que tu aimerais avoir prochainement? Moi c'est plutôt la Chicago Off-White. Toi tu es... Ah, tu ouais, j'ai tu as de l'argent, toi, tu as de l'argent hein. Non, j'ai pas d'argent. La Chicago Fry, tu as de l'argent, t'as laquelle, les rouges, les blancs ou les bleus? La Chicago, la rouge. Ah, la rouge, ouais, la rouge. Ouais, bah, en fait la... Quoi, comment dire, tu vois la taille? Ouais. C'est ça le problème, c'est la taille. Quand c'est du 42 ou bien du 9,60, ouais. Ça monte jusqu'à 5000€, des trucs comme ça. Du coup le resell, ça fait mal. Et mon gars, niveau resell, c'est un truc de ouf hein. Ouais, tu fais grave d'argent avec ça. De ouf. Air Force, Nike, basique, tout le monde les a. Peau de singe ou pas? 100€. Non. Peau de quoi? Peau du lapin. Ah, de lapin. Peau du lapin. Et du coup, quelle paire t'aimerais prendre prochainement? Quelle paire j'aimerais prendre prochainement? La triple S, ouais. Triple S, hein? Elle coûte cher, mais vas-y. C'est un peu une douille, mais elle me tente très bien. Tu veux vraiment la prendre bientôt, là, genre un mois?
Pas bientôt, bientôt, mais c'est un objectif, tu vois, pourquoi pas. Mais vas-y, elle coûte cher quand même. C'est Air Jordan 11, ouais. White Edition, 200 euros. Ok. Acheté où? Sur Vinted. Vinted, ok, à propre. J'ai repris sur Vinted. Ok. En neuf ou en genre en mode occasion? C'était 9. Ok. Et toi, du coup? C'est des Jordan 1, c'est les Shadow, et je les ai achetés 180 sur Vinted aussi. Vinted aussi? Ouais. Donc vous êtes des fans de Vinted là un petit peu? C'est pratique. C'est bien. Mais du coup, c'est quoi les prochaines paires que vous voulez acheter? Les prochaines paires? D'abord toi, vas-y. Moi, je sais pas encore, je pense des Yeezy 700, mais je suis pas sûr. 700, ok. Ouais, les 700. Mais les... pourquoi on va dire pas sûr? Pourquoi? Pas sûr. Parce qu'il faut que j'ai de l'argent. Ah bah oui, normal, bah oui. Mon gars, là. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre les Air Jordan 6. Quoi? Air Jordan 6, je pense. Mais ils sont chers, hein? Les Travis Scott là? Non, pas les Travis Scott. Ah, les normal, ouais. Normal, normal. Okay, vas-y. Louis V, Louis Vuitton, Louis Vuitton. C'est du vrai ou pas? Bah ouais, c'est du vrai. Bien, Louis V. Bon. Mon gars, on aimerait savoir le prix de tes paires et où tu les as achetés. Hein, à Nike à 180 euros. 180 euros, ouais. Ok, ça marche. Et dis-moi, c'est quoi les paires que tu aimerais avoir prochainement là? Ah, c'est pas. Obligé d'acheter des paires, des Balenciaga, des Kawhi. Ouais, lesquelles? Les grosses là un peu. Ah, les Triple S. Ouais, voilà. Ouais, mais ça avait des gros pieds, hein, Triple S. Hein. Ouais. Mon gars, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez en commentaire le prix de vos sneakers. Ouais, likez, commentez et dites-nous quelle est votre paire préférée. Ouais, dites-le, dites la marque préférée là. Et likez en max. Balenciaga, likez en max. Merci à vous, ciao.